Vent de piété, des cœurs tournés vers la prière. Les invocations ici, à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, portent le nom de Martinez Zogou, l'homme de médias, enlevé puis torturé à mort, il y a un an, jour pour jour. Ça fait un an que mon papa a disparu. Donc, ça nous tenait à cœur d'organiser cette messe. Sur le banc des fidèles, des collègues et membres de la famille, la mobilisation de cette mi-journée vient combler un besoin important de l'illustre disparu. En ce moment, Martinez a beaucoup plus besoin de prières, c'est ça qui est important pour lui. On est dans l'angoisse, mais il faut qu'on l'accompagne dans les prières. Ils sont venus parfois de loin lever les voix ensemble pour demander la justice de Dieu, en attendant celle des hommes. Elle qui fait chemin depuis un an avec tous ses échos. Vivre avec ça chaque jour, c'est pas facile. Et je souhaite vraiment que la vérité soit faite, cette affaire. Donc, je crie haut et fort justice pour mon père. Sur ces mots repose tout l'espoir familial pour que ces lumières du sanctuaire brillent sur la justice. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.